2019. J'ai 43 ans. Je vis en province une activité de chômeur reconverti afin de pouvoir mettre en place ma future vie de digital nomade dans l'objectif de me créer une chaîne YouTube, un site internet et par la suite, pourquoi pas, devenir une future entrepreneure. Le peu d'indemnité que je perçois me permet de louer une chambre annexe, appartement, à une maison d'un propriétaire et de subvenir à une modeste routine de travail acharné, de quarantaine de campagnardes. Il y a longtemps que je me pose la question « qu'est-ce que la vie ?» Enfant, ayant eu peu de repères, mais observatrice, grande admiratrice des espaces libres, de nature, de la pratique du vélo, cherchant plutôt la compagnie des adultes, avec ce sentiment constant d'être différente, la plupart du temps incomprise. Des années d'échec total dans le système scolaire, cela a été un ennui, une perte de temps pour moi, où rien ne m'intéressait à part le sport. Le système et les années ont blasé la plante verte juvénile au fond de la classe que j'étais. Cherchant mon chemin vers la construction de mes vraies valeurs en passant par l'affectation de 3 CAP différents, gestion, communication, secrétariat, cuisine, avant d'avancer sur la voie d'ajusteur monteur en structure aéronef. Orientation qui n'offre en vérité aucune liberté. Prochainement, ni les boulots ni les charges de travail n'abattent plus le fait d'une vie meilleure. Ma personne fait savoir le stress général par de l'injustice. Un sommeil pas réparateur devient chronique. Comme pas mal de personnes. J'ai plongé peu à peu dans la dépendance engagée. Où sont devenus mon désir d'indépendance, mon audace de rébellion? Je ne veux pas subsister comme un troupeau de moutons où chacun se suit bêtement dans les mêmes démarches. Je me prépare à acheter un vélo qui va entraîner ses roues sur les routes. Et là, j'ai compris tout de suite deux phénomènes. Premièrement, cette image permanente que nous montrent les médias et les livres de notre terre n'est pas vue de la même manière. Deuxièmement, l'homme a besoin de façon naturelle de bouger, marcher, et le fait de rester inactif dans un fauteuil, une chaise ou un sofa, n'a rien de bon. Ces deux secrets de remède de grand-mère pour vivre mieux et plus longtemps, mais que la majorité d'entre nous opte volontairement d'oublier. Le déclic est instantané. J'enfourche le vélo à rouler sur les routes escarpées qui s'entrecroisent dans le paysage aride des Alpes de Haute-Provence. Une renaissance est en moi, un sentiment de bien-être absolu, une nouvelle drogue à la découverte de la vraie vie. La certitude s'est emprise de moi, dorénavant ne me quittera plus. Pour me libérer, je dois rouler, me trouver en pleine nature, avoir cette sensation de symbiose perpétuelle du mouvement physique dans le monde et du psychologique qui en jaillit, pour arriver à un riche épanouissement. Développer ce sentiment intime de la réalité que pas une école, pas un livre, pas un média, pas un débat me donne si profondément. Je prépare mes quelques affaires, vérifie ma tente, mon réchaud, de quoi subvenir à l'été. J'ai 1000 euros en poche. Je pars du nord de la France, d'un petit village du Cher, pour arriver dans le sud de la France, dans une ville de l'Hérault. Je vivrai sur les routes pour une durée de 1 mois. Qu'est-ce que la vie ? C'est une association vagabonde qui me formera à l'expérience de ma vie de par ma volonté, ma détermination et mon courage. Mon ambition, qui tient en partie du challenge, sera ouverte au public, car pour moi, l'action est une réaction pensée.
Au plus profond de nous, nous avons conscience de ce qui est bon ou mauvais. Et si nous tournons le dos à cela, un jour notre petit doigt nous dira « Prends soin de ton corps et tu éviteras de lui apporter des soins. » Tout est prêt, le feu passe au vert, c'est parti, en selle. Le passage à l'action. Voici un mois que je suis à contribution des forêts domaniales, régionales. J'ai dormi dans des campings, des forêts. Je me suis allongée sur le ciment d'un abri de stade de foot, sur un chemin caillouteux au bord de la Garonne. Je me suis mise à l'abri du soleil dans des endroits remplis de ronces, derrière un lampadaire pour avoir un peu d'ombre. J'ai élu domicile dans les dunes de sable tout en étant protégée des herbes folles. Derrière des bunkers, je me suis affalée sur le bas-côté de la route pour me reposer en mettant un petit écriteau par terre où il était écrit « Ne pas me déranger, je vais bien, merci ». Le jour se lève et se couche. J'ai caché ma toile de tente dans un champ de maïs où des sangliers venaient se faire une bonne partie de jeu durant la nuit. Puis, le lendemain matin, faire une partie de cache-cache avec l'agriculteur et son tracteur pour pouvoir sortir de son champ. Je me suis réfugiée sous des arches d'autoroute. J'ai vu le jour naître et se coucher sur les bords de Loire, de l'Atlantique, de la Garonne et du canal du Midi, depuis mes camps heureux. Quelquefois, j'ai tiré à pile ou face la route à prendre. J'ai quasiment eu un endroit agréable à dormir tous les jours. Mes aventures du quotidien. J'ai fait le plein d'eau dans divers cimetières. J'ai recueilli pas mal de choses sur la route. J'ai glané les bonnes affaires pour trouver à manger pas cher dans les petits commerces et parfois me faire des repas de chef. J'ai eu le privilège de prendre une douche tous les soirs. J'ai chargé mon matériel avec l'énergie de mon moyeu avant tout en pédalant. Savoir s'adapter aux rencontres humaines, même si c'est le pire individu qui soit. Pendant ce voyage, je suis devenue un autre moi et appris la débrouillardise, enjamber des fossés, valser entre les obstacles. Je me suis parlé aussi à moi-même et à Bikefit, mon ours en peluche, qui est ma mascotte dans mes voyages. Des rencontres avec des interactions de personnes très aimables. Le temps au temps. Un mois s'est passé et j'ai atteint mon objectif. 1400 km au compteur. Et cette emprise de fierté de se dire « j'ai réussi à le faire ». Cette sensation d'avoir pédalé en toute liberté en suivant les itinéraires de la Vélodyssée 6, la Vélodyssée 1, la piste cyclable 962, la Vélodyssée 3, la V80, la route des deux mers, et la Vélodyssée 8. J'ai exploré et suivi le rythme des écluses qui ponctuèrent jadis la navigation sur la Loire, comme sur le canal de la Garonne et le canal du Midi. J'ai apprécié les différents coteaux et vinifications, les traversées par bac de la Loire, de la Seudre, de l'embouchure de la Garonne, le passage sous un château avec une forteresse souterraine d'une cité troglodyte militaire. S'émerveiller devant les œuvres d'art contemporain qui jonchent la Loire, 60, 80, 100 km, voire plus par jour, à raison de 6 à 8 heures quotidiennes d'efforts, avec un chargement d'à peu près 30 à 40 kg. Sur des routes, des chemins sablonneux, cabosseux, gravillonneux, rocailleux, des racines grosses comme un petit tronc d'arbre, un parcours vraiment assez difficile sur le canal du Midi. Une véritable jungle. Avec les éléments de la Terre.
Mon défi est de ne pas lutter contre le vent, le soleil et tout ce qui arpente ces routes, sous peine de me faire des complications musculaires, de déchirures des tendons. Par contre, le manque de sommeil et l'effort fourni m'ont valu des complications gastriques pendant un mois et demi après ce périple, ce qui m'a fait prendre conscience que lors d'un prochain périple, un nouveau challenge va être de vigueur. C'est-à-dire de m'arrêter sur la question suivante. Ai-je déjà pensé à la manière dont je suis en train d'affamer chaque jour parcouru, chaque kilomètre avalé, les quelques milliards de cellules de mon corps par une mauvaise respiration? Combien notre destin serait-il avantagé si on nous éduquait à bien respirer à l'école? Au préalable de savoir lire et écrire, on aurait besoin de connaître l'exécution d'une certaine quantité d'exercices respiratoires que des enseignants connaisseurs en la matière auraient pu nous apprendre. Prenons l'exemple. À la suite d'une heure de cours, on met en pratique des respirations profondes effectuées par les enfants sur une durée de 10 minutes. Le bilan de santé de la Terre entière y remporterait un énorme profit. Il ne s'agit pas de langage candide. Supposons que l'humain sache respirer efficacement, il n'utiliserait pas les 9 dixièmes des somnifères, aspirine et différents calmants dont il s'ingurgite. Plus de bien-être dans leur propre élément, les êtres humains se sentiraient moins combatifs et notre planète moins agressive. Qu'est-ce que concevoir la vie que de seulement rechercher quotidiennement à la poursuivre? Si le mental suit, le corps suit. Plus mon mental était positif, bien souvent mon corps s'en est trouvé de même. Dans les instants difficiles, je parlais à une assemblée fantôme et je me disais « Si je suis ici, c'est parce que je l'ai voulu. Et qu'est-ce que je fais là ?» au milieu de nulle part si je n'avance pas vers ma destinée. Le vélo, je le considère comme une passion, un plaisir, une joie, une évasion, une nécessité pour me sentir bien, une élévation vitale, presque machinale. Le fait de faire un break pendant quelques mois me paraît une éternité. J'ai très vite la sensation de manquer d'espace, l'envie d'aller vers de nouveaux horizons. Environ 60 litres d'eau bu sur le mois, 5 petites bouteilles de gaz utilisées, 1400 km parcourus sur la Vélodyssée 8, 6, 3 et 1, la piste 962, la V80, donc les deux mers. Un vélo, 90% de camping, problème gastrique après le périple, 60, 80, 100 km et plus par jour effectués. En d'autres termes, je pratique l'école de la vie à ma manière. Mon lieu de vie sur Terre. Il m'a fallu des années pour que je prenne conscience à quel point cette phrase a un sens. Difficile de faire mieux pour moi. Il me semble que l'éducation parentale, nationale et la société ne nous apprennent pas réellement. L'ont-elles guère fait? De tous les temps, l'être humain est à la reproduction formatée pour pouvoir fonctionner. Des engrenages vitaux, mais permuables de la famille, qui abdictent ces hommes et ces femmes afin d'accroître. Cependant, ce que le vélo procure, un mouvement constant, c'est clairement l'éducation de sa propre école. Cela consiste à vous procurer de nouvelles règles d'art de l'apprentissage, de comportement et de réflexion. C'est néanmoins dans ce laps de temps délivré, indépendant, qu'il faut par soi-même élaborer que l'expérience de la vie restitue sa leçon.
et celle-ci donne lieu à la connaissance de soi. À l'évidence, il n'est pas question de savoir si l'on préfère plus les marques de vélo comme Peugeot, Specialized, Santa Cruz. Bien sûr que non. C'est ce que l'école de l'expérience de la vie nous inculque. C'est apprendre à se connaître soi-même en tant qu'être humain. La solitude, la route, les cultures et la France, avalée à chaque coup de pédale, éduque sa place sur Terre et justement comment changer son temps donné. Se procurer un entraînement régulier à une forme de liberté. Ainsi, on prend conscience des buts profonds recherchés lors de ses choix passés, présents et futurs. Et on se sent nettement mieux à vélociter sa vie en direction de sa prospérité.
sur la Ville Odyssée, on a un petit train. Voilà, la route, elle est là. Un petit train. Cette partie que vous voyez là en béton, là, les plaques bétonnées. Donc d'après un ancien qui habite ici, que j'ai rencontré sur la route et qui m'a indiqué le chemin, c'est des plaques en béton qui ont été faites dans les années 40, donc pendant la guerre, par les Allemands ou je ne sais qu'est-ce. Hein, là-dessus, il n'a pas trop détaillé. Donc voilà, maintenant ça sert effectivement de piste cyclable. Par contre, il ne faut pas se planter, hein. Parce que si on sort de la piste, je suis très mal. Voilà. Donc alors là, il faut déstresser. Et on y va tranquille. Original. Hein. Il y a un vélo qui arrive en face, il me laisse passer. C'est excellent. Allez, où c'est qu'on va? Bon, je vais crécher là, cette nuit. Pas mal, hein? Ma nouvelle tente. Alors voilà où je vais crêcher cette nuit. Voilà. Et là, pas dune du Pila. Voilà. Vue merveilleuse. Coucher de soleil. Lever de soleil. Nickel. Bon, va falloir tout monter. Là, je suis à l'endroit où c'est le plus haut. Et forcément, c'est mon camping. Ça fait 100 mètres. De hauteur.
Allez, c'est parti pour se faire les cuisses et les mollets. Après le vélo, l'ascension de la dune du Pilat. Allez, aujourd'hui c'est parti, direction le canal de la Garonne. On entame les dernières étapes de la fin, mais on n'y est pas encore. Hey, sérieux, je vais crêcher là, hein? Regarde, beau petit lit de camp et tout. Maman, mais j'ai trouvé un endroit, mais c'est trop fort. Et je vous jure, hein, je fraude pas, rien du tout, j'ai pas escaladé quoi que ce soit, je suis rentrée comme de... voilà, comme si c'était gratuit, on s'installe, voilà, c'est original, c'est pas mal, hein. Franchement, je crois que pour la nuit, je vais m'en taper un, ça va être vite fait, je vais pas me faire chier, hein. Sauf que la tente, il faut la démonter, elle est trempée, bon bref, ça c'est un détail, voilà, borne électrique. Tout va bien. J'ai tout, mes amis, j'ai tout et je suis toute seule. C'est le pied total. Des occasions comme ça, ça se présente, il faut les prendre. Voilà. On verra, hein, la suite si quelqu'un vient, pas de problème. On est honnête et on dira. Et puis voilà, s'il faut payer quelque chose, ben on payera quelque chose. Qu'est-ce que je te dis ?
Petit verdict donc du canal du Midi. Bon, effectivement, c'est pas fait pour les débutants, on va dire. Hein. J'avoue que c'est pas facile.
C'est pas facile avec le chargement, il fait chaud et la route est vraiment, excusez-moi le terme, mais dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On sort du bitume là. Hein. Bon, après, si on veut faire le tour du monde, ça forge. Hein. Là, c'est vraiment des chemins. C'est voilà, chemin même pédestre, on va dire. Voilà, sauf que là, on fait à vélo. Donc des racines énormes, j'en passe parce que je pourrais en raconter. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez, je suis à côté d'une écluse. Voilà, donc je vais bientôt arriver à Carcassonne. J'aimerais y être ce soir. Donc voilà, et on va se reposer après parce qu'on l'aura bien mérité. Grosse journée aujourd'hui, c'est difficile. Très difficile, ouais, faut faire attention à ce qu'on boit et à ce qu'on mange surtout aussi, donc voilà, mais ça va, je fais attention, hein. Il n'y a pas de souci. Alors là en face, vous apercevez cette île, c'est 7, avec tous les parcs à huîtres. C'est super sympa, c'est chouette à voir. Alors voilà, aujourd'hui j'entame la phase terminale de mon premier périple, c'est-à-dire l'aller. Là, je viens de dépasser Metz et je vais en direction de Mosson. Donc, Mosson, ça se trouve au nord-ouest de Montpellier. Voilà, voilà. Sur ce, tout s'est bien passé. Super souvenir. Jamais j'oublierai. C'est quelque chose de phénoménal à faire, si on peut, bien sûr. Donc voilà, dernière petite piste cyclable. Franchement, je ferai une petite vidéo de mon constat personnel de cette expérience. Voilà, ok. Donc pouvoir raconter un peu en détail des moments qui m'ont marqué, quoi, on va dire. Voilà, voilà. Mais moi qui critiquais les pistes cyclables en France, j'avoue que en cherchant bien, il y en a. Et je regarde, c'est bon, et il y en a des biens, franchement il y en a des biens dans l'ensemble. Bon, en fin de compte, c'était une blague, hein, je rentre pas. Hein. Là je suis dans la maison Ingall. Petite rivière en bas, à 18 degrés, un petit paradis. C'est, je crois que c'est l'Hérault d'ailleurs, hein. C'est même pas je crois, c'est sûr. Voilà. À tous, salut tout le monde, c'est Caroline alias Caro. Voilà, je suis donc cyclo-randonneuse.
comme vous le savez, j'ai fait plein de vidéos sur un périple que j'ai entrepris entre 1400 et 1600 km. Je ne peux pas trop vous dire exactement puisque mon compteur il m'a planté. Mais en gros, c'est ça, entre 1400 et 1600 km. Donc, je suis partie de la Sologne pour aller jusque dans l'Hérault à Montpellier. Voilà. Donc, ça m'a pris en tout et pour tout un peu plus d'un mois, c'est-à-dire 5 semaines à peu près. Et je vais faire plusieurs tomes, c'est-à-dire que par rapport à ça, je vais vous raconter un petit peu mon périple d'un point de vue route, paysage, région, etc. Un autre point de vue alimentation et un autre point de vue sur l'hydratation. Moi, ça me permet aussi, si vous voulez, de faire ce genre de périple, de voir un petit peu ce que je suis capable de faire, mes retours aussi par rapport à tout ça, sur les erreurs que j'ai pu effectuer, le positif comme le négatif. Voilà, donc je vais vous dispatcher ça, un petit peu, en gros, vous dire tout ça. Alors, donc on va commencer par la route et notamment... tout ce qui concerne les régions, le paysage, le climat, qu'est-ce que je pense un peu de la France, parce que là on peut un peu dire que j'ai fait une bonne partie de la France. Donc d'un point de vue général, ultra positif. C'est vraiment... la France est un pays vraiment très très joli, condensé en petit, mais avec une variété de paysages assez dépaysant. Par contre, bon, forcément, c'était en été, donc c'était très très dur au niveau physique et psychologique. J'ai voulu tenter quand même la chose. Donc, climat assez sec, aride, manque d'eau, terriblement. J'ai pu le voir assez régulièrement. Les fleuves... pas tout à fait à sec, mais notamment la Loire m'a beaucoup inquiété. La Loire, j'ai vu des parties, j'ai filmé des parties avec des bancs de sable à n'en plus finir. On connaît la Loire, on sait que c'est un fleuve avec des parties quand même assez sablonneuses et de l'eau. Mais je vous assure, il y a vraiment des endroits, je me suis vraiment posé la question. J'ai dit, c'est pas possible, ça devient inquiétant quand même. Hein. Parce que c'est large, hein. c'est très large. Et vous allez passer des endroits avec beaucoup de sable. La Garonne, ça n'a pas été le cas. Le canal du Midi, pareil. J'ai pas eu ce genre de choc psychologique. Mais la Loire m'a beaucoup inquiété. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Voilà. Par contre, voilà un paysage complètement dépaysant d'une région à une autre. Et ça, c'est un phénomène génial. Vraiment extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc sur ce point de vue-là, j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Très bon souvenir. On a un climat chaud quand on est dans les terres. On arrive sur la côte atlantique, on a un climat complètement tempéré qui n'a rien à voir, beaucoup plus d'air avec le front de mer. Donc ça, on respire énormément, c'est pas mal du tout. Mais j'ai eu quand même de la chaleur, mais différent. Voilà, on respire beaucoup mieux. Par contre, dès que vous re-rentrez dans les terres, comme ce qui a été le cas, j'ai été donc un petit peu plus bas que Bordeaux. Je suis re-rentrée dans les terres et là, j'ai pris le canal de la Garonne pour aller dans le canal du Midi. Alors là, dès que vous rentrez dans les terres, c'est l'enfer, quoi. Il fait une chaleur pas possible. J'ai vraiment eu très très chaud, juste en dessous Bordeaux, jusqu'à Montpellier, c'était vraiment l'après-midi très 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 difficile à pédaler. Là je dirais pour les débutants, attention, très attention, il faut se connaître un petit peu, il faut déjà avoir eu de l'expérience un petit peu en vélo, savoir quoi prendre à manger et à boire, d'accord, il y a des choses à... on verra ça plus tard. Donc, pour vous dire un petit peu mon périple, donc je suis partie
j'ai récupéré Blois, on va plutôt dire ça comme ça, qui fait partie de la Loire, qui se fait par piste cyclable. J'ai été jusqu'à... Donc j'ai longé toute la Loire en direction de Saint-Nazaire, Saint-Brévin-les-Pins, qui se trouve sur la côte atlantique, d'accord, sur le bord de mer. Et après, j'ai descendu jusqu'à Bordeaux, un petit peu plus bas que Bordeaux. J'ai été jusqu'à la dune du Pilat. Et une fois arrivé à la dune du Pilat, j'ai bifurqué pour reprendre une piste cyclable qui rejoint le canal de la Garonne. D'accord ? Et du canal de la Garonne, j'ai été jusqu'à Montpellier par le canal du Midi. Voilà. Donc j'ai traversé plein de villes, j'ai vu plein de choses, j'ai vu plein de gens, j'ai discuté avec plein de personnes. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou, un petit bonjour, et c'était extraordinaire. J'ai rencontré des gens merveilleux, des Allemands, des Anglais, des Hollandais, des Espagnols, et j'en passe, des Français aussi, énormément. Et c'était vraiment très très bien. Alors, d'un point de vue psychologique et forme. Alors, je dirais que pour pratiquer ce genre de cyclo-randonnée, il faut déjà avoir eu un peu d'expérience en vélo, d'accord ? Notamment pour le poids des sacoches, qui est un facteur problématique, dans le sens où du poids, on en a. Tout dépend de comment vous voulez partir, est-ce que vous voulez partir chargé ou pas chargé. Moi, j'en ai vu qui n'avaient que deux sacoches à l'arrière, pas de sacoche à l'avant et qui partaient comme ça, d'accord ? Tout dépend si vous voulez faire du restaurant tous les jours, c'est un budget, ça c'est à vous de voir. Moi, en l'occurrence, j'avais quatre sacoches avec un sac par-dessus, un gros sac étanche, Outlib, enfin moi c'est un Décathlon, qui permet de mettre un PC, parce que j'ai pris mon PC qui m'a un petit peu sauvé pour certaines choses au niveau administratif qu'il m'a fallu faire. Donc je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas non plus le faire avec une tablette. Donc voilà, j'étais obligée de prendre mes disques durs externes et j'avais des papiers administratifs à envoyer, très importants, où je ne pouvais pas me permettre, je pouvais me permettre d'une autre manière que je ferai la prochaine fois, par expérience, voilà. Donc en gros, j'avais quatre sacoches, donc les deux sacoches à l'avant où j'avais toute mon alimentation et les sacoches à l'arrière où j'avais de quoi m'habiller, voilà, en gros c'est ça, ok. Donc d'un point de vue physique, je dirais que c'est pas très très conseillé effectivement à des débutants ou alors avertis, d'accord. Là, il faut vraiment se connaître, il faut avoir un petit entraînement de 3 mois minimum avant d'entamer ce genre de périple, d'accord. On va sur du 1400, de plus de 1000 km, donc entre 1400 et 1600 km. Donc ça demande un très fort mental, ça c'est certain, psychologique, et un fort un fort effort physique, ok. Parce que c'est pas du tout plat, on a quand même quelques petites côtes, on a du poids pour le vélo. Faut se connaître aussi un petit peu physiquement, faut avoir fait des tests d'effort. Si vous le pouvez en parallèle faire une scintigraphie, ce que moi je vais faire, ce que je n'ai pas fait, mais j'ai quand même fait un test d'effort. Mais une scintigraphie, ça permet d'approfondir et voir le fonctionnement de votre cœur, si tout va bien ou pas. Parce que là, votre cœur, il va fonctionner à mort, comme tous vos organes. C'est une vraie machine, hein, ça va fonctionner. Donc aussi l'alimentaire, alors moi ce qui me permet d'avoir une expérience et un retour par rapport à moi-même, ce que je suis capable de faire et ce dont j'ai besoin au point de vue alimentaire, de quoi manger et de quoi boire, voilà. Donc moi ça m'a permis de voir un petit peu mes capacités de tout ça, à être aussi optimum par rapport à tout ça, ok. Donc de mon retour personnel, je dirais qu'en boisson déjà je me suis trimballée avec 4 litres et demi par jour, mais écoutez-moi bien, en plein été il m'a vraiment fallu les 4 litres et demi, et je rigole pas. Apporter, bien sûr c'est chiant, ça fait un poids supplémentaire,
Mais ça, vous n'avez pas d'eau, vous n'avancez pas et vous risquez aussi de mourir. Hein. Je plaisante pas. Hein. Donc, j'avais de l'eau sucrée, de l'eau salée et de l'eau gazeuse, d'accord ? L'eau sucrée, vous allez la perdre dans les premières heures que vous allez faire, lorsque vous allez faire du vélo. Donc ça, il faut le récupérer. Il faut toujours avoir son hélico, son équilibre. Après, vous allez perdre donc du sel. Donc, il faut récupérer ça. Le sel, vous le perdez dans la transpiration. Et l'eau gazeuse, ça vous permet pour la récupération, une fois que vous avez terminé votre ascension, votre journée, vous récupérez avec de l'eau gazeuse. Moi, je vous préconise de l'eau Vichy ou Vichy Célestin. C'est une eau qui est très bien, un peu gazeuse, mais qui est très très bien. Ok ? Voilà, donc ça c'est la boisson. Après, vous avez un plus en boisson. Donc là, j'avais quoi ? J'avais 3 litres et 1 litre et demi en plus au cas où j'en manquerais, etc. Parce qu'on a la bouffe à préparer. Donc le midi, moi je me préparais à manger. Donc j'avais mon petit réchaud, etc. Avec du riz, hein, le riz est reminéralisant. Donc je vous le conseille, qui est 10 fois meilleur que les pâtes. Les pâtes, c'est moins cher, enfin, entre guillemets. Après, faut chercher un peu, faut être malin. Mais les pâtes sont moins bonnes que le riz. Moi, je vous conseille plus du riz complet en règle générale, mélangé avec un peu de riz blanc, des fois, de temps en temps, ça fait pas de mal, ça apporte du sucre aussi, etc. Donc en alimentation, j'avais surtout beaucoup de riz. J'avais du quinoa, du boulgour complet, tout ça complet, des légumineuses, des lentilles, pois chiches, j'en avais pas, donc beaucoup, enfin des lentilles. Et j'essayais aussi de varier avec un peu de poisson, donc des boîtes de conserve. Alors, pour ma part personnellement, le foie de morue et la sardine, qui sont très très bons pour la santé, l'été, notamment le midi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'avaler. Je vous le dis très sincèrement, il faisait trop chaud. L'huile me restait sur l'estomac quand je reprenais le vélo, malgré que je fasse une sieste, ça me restait sur l'estomac. Par contre, le seul qui ne me restait pas sur l'estomac, c'est le maquereau en boîte. Alors ça a été magique. Hein. Voilà. Après, bon, je faisais des petits écarts. Hein. Les chips, j'en ai mangé, j'en avais besoin. Je mangeais du pain complet aussi. Voilà, donc tout ça, plein de bonnes choses et ça m'a permis de tenir. J'ai pas eu de tendinite ni quoi que ce soit, donc j'avais une forme assez optimum. Par contre, une chose ultra, et j'insiste très fortement, ultra positive quand il fait chaud, de 1, écoutez votre corps. Si votre corps n'avance plus, ne peut plus, n'insistez pas. Ça ne sert à rien. C'est là où vous allez avoir de gros problèmes. Ne serait-ce que santé, etc. Vous n'allez pas tenir. Vous allez en avoir marre. Vous allez tout plaquer. Ça ne sert à rien. Vous allez vous énerver. Ce qui a été moi le cas quelques fois. Donc dans ces moments-là, ce que j'ai fait, soit j'ai mangé de 1, soit de 2, j'ai fait de la récupération. Donc je me suis carrément assoupie, dormie. Et ça, c'est meilleur. La meilleure des solutions, c'est ça. Dès que vous sentez que vous êtes fatigué, paf, vous dormez. Alors bien sûr, il y a des gens sur la piste cyclable qui sont venus me voir. Ils croyaient que j'avais eu un accident parce qu'ils me voyaient allongé par terre. Et ils venaient à chaque fois me demander est-ce que j'allais bien. Donc à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un petit écriteau par terre, un petit bout de carton marqué dessus. Ne vous inquiétez pas, je vais bien, je me repose parce que je suis fatiguée, tout simplement. Mais je me porte très bien. Donc ça fait rire les gens, mais je suis obligée de faire ça pour pas être réveillée. Voilà, mais les gens partent d'un bon sentiment et il y a un esprit cycliste que j'adore. C'est vraiment dès que je me suis arrêtée, vous avez crevé, vous avez un problème, vous vous sentez mal, etc. Non, et on tape la discute avec les gens, c'est vraiment génial. Et bien sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour savoir un petit peu si vous effectuez des voyages à vélo, ça me ferait plaisir de vous lire. Laissez-moi un petit j'aime aussi, un petit pouce, ça me ferait super plaisir, ça me donne la banane à continuer.
N'hésitez pas non plus à partager à quelqu'un, un de vos proches, un de vos amis, si cette vidéo pourrait l'intéresser éventuellement. Et puis surtout, ce qui me ferait super plaisir, c'est que vous vous abonniez à ma chaîne, si bien sûr ma chaîne vous plaît. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez la vie du bon côté. Pratiquez du vélo, c'est bon pour la santé. Je vous dis à plus. Ciao, ciao. Alors voilà un camp de Nouchma, donc de Manouche, hein. Caro qui fait sécher son linge, voilà, je suis en train de faire ma petite popote. Bon, il y en a... Voilà, il y a un peu de tout quoi, la poubelle sur la table. Ici on a une salade qui m'attend avec aubergine, tomate, pomme. Des graines de lin, des graines de sésame, sel, poivre, citron et huile d'olive. Là, on a fait un petit peu de bordeaux, donc c'est pas bien grave, ça sèche, c'est de la flotte. Un petit peu de riz avec des aubergines, voilà. La petite table, le petit vélo qui est à l'abri. Vous voyez la petite tache noire là, je sais pas si vous la voyez, j'essaye de centrer. Et ben là, j'avais la gendarmerie juste à côté de moi. Ils me zioutent, ils me poursuivent, je n'en peux plus. Je suis en train de squatter. Ah bah non, il faut qu'ils viennent me percher. Normal, j'ai de la cocaïne plein les sacoches. Je rigole, hein. Je rigole. Bon bref, sur ce, allez, j'arrête mes conneries. Je vais aller au camping là parce que j'en ai marre. Fin de journée, voilà, j'en peux plus. Voilà. Avec quoi je vais me bouffer ce midi à côté d'une antenne relais. Bon, bah, j'ai pas trop le choix à vrai dire. Je crève la dalle. Il y a des tables, voilà, hein, c'est pique-nique. Et en plus, ça fait du bruit, cette merde. Et je sais pas, voilà. Donc, bon, bah, il en faut, mais le seul truc, c'est que j'ai pas resté longtemps à côté de cette dose, c'est hyper nocif. Voilà, c'est bon à savoir. Bon, Bikefit, il est là, il a mis son ciré parce que hier il pleuvait. Voilà. Alors, petite blague du jour de Carambar. Pourquoi les cyclistes sont-ils fous? Voilà. Alors la réponse, c'est parce qu'ils déraillent. Black Caramba. Jour de chance. 3 bananes. Super, elles sont pour moi. Youpi. Alors je vous présente Joséphine, ma sauterelle. Elle voyage avec moi, ça fait déjà depuis un petit moment qu'elle est là avec moi, c'est parfait, voilà, je suis pas seule, impeccable. Donc, je voulais faire une petite vidéo là, un petit peu particulière. Bon alors là, je crois que ça va pas fonctionner, si voilà, ça fonctionne. Donc, ce genre de fleurs, ça s'appelle de la carotte sauvage. Vous pouvez l'apercevoir par les petites collerettes vertes qui est en dessous là, d'accord? Alors cette fleur-là, elle est comestible. Je l'ai appris dans un bouquin de vélo d'une fille qui travaille en biologie et qui fait le tour du monde à vélo. Et qui disait que voilà, elle avait fait un... Moi je l'ai testé, effectivement, c'est pas mauvais, c'est pas dégueu. J'ai fait sous forme de pané, donc pané avec de la farine, je crois, et un œuf, si je dis pas de bêtises, et avec un peu d'huile que j'ai fait à la poêle. Et franchement, ça passe pas mal. Voilà. Donc, avis aux amateurs, si vraiment vous êtes cyclo randonneur et que vous n'avez rien à manger, ce genre de fleurs se trouve un petit peu partout. Je pense que vous le connaissez, hein, y a pas de souci. Voilà. Donc, petite idée, petite info cuisine. Voilà, sur la route de la Vélodyssée.
copine fait le voyage avec moi, c'est pas des bêtises. Hein. Là, je suis en train de rouler. Hein. Ouais, tiens. Hein. Allez, c'est parti. Ma nouvelle copine, Jojo. Trop fort. Bon, sur la Vélo-Odyssée, il manque un truc. Ah, parce que là, j'ai la cuisse gauche qui part un peu en brillette. Mais bon, ça va tranquillou. Hein. Voilà, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a un peu de vent. Donc voilà, les masseuses, bah, ou un masseur, enfin, je m'en fous. Mais il n'y a pas, donc c'est dommage. Voilà. Ouais. Ça aurait été un bouc, j'étais mal barré. Alors, Coquelicot, c'est bon? Ça te plaît? Pas vu, je fais du camping à la ferme. Il va dormir avec moi. Hein. C'est un beau cul. Hein. Il est dépouillé. Oh, vous savez quoi? Je suis bientôt dans le sud. Pourquoi? J'entends les cigales. Vous les entendez? Voilà, petite dédicace de cigale. Ça sent le sud, yes. Maurice. Maurice en action. Bon, lui, je le prends pas pour le voyage. Hein. Au taquet. Alors, je vous présente Zézé. Alors, je sais pas si on voit vraiment parce que ça fait un peu flou. Une tache verte que vous voyez sur le rétro. Là. Voilà, Zézé alias Zébulon. Donc, bah, peu cher, elle fait le voyage avec moi. Après Jojo, Joséphine, eh ben, on a Zébulon. Donc, on le voit pas du tout d'ailleurs, c'est minable la vidéo. Mais vous me voyez en train de pédaler. Voilà. Bon, sur ce, j'ai repris la route, ça y est. J'ai ma béquille. Ah, alléluia. J'ai été la récupérer donc ce matin au point relais. Impeccable. Ils m'ont filé un énorme carton avec une minus béquille dedans. J'étais morte de rire. J'ai dit ouais, je suis pas assez chargée déjà. Bon bref, donc on a viré le carton et on a gardé la béquille. Donc je m'en occupe ce soir.
puis enfin j'ai une béquille. Ouais. Là maintenant on va faire gaffe. Allez. Je continue ma route en direction de Toulouse. J'aimerais arriver ce soir à Toulouse. Là, il est à vendre, pas cher. C'est un bateau couleur. Merci. Oye, 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 oye. Arriva! Oh, muchachos, venga, ven aquí! Allez, on se motive! Achi, 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 achi! Aïe, aïe, aïe! A gringo! Ah, j'ai mal au bras! J'ai mal au bras. Et tout va bien. Je vais finir à l'eau. Alors voilà, il est 2h30 du mat. J'ai un mec qui ronfle à côté. Et j'ai mon matelas qui vient de péter. Voilà. Ok. Ça. Ça c'est la soudure. Ma vient de péter. Donc voilà, la nuit va être bonne. Hein ? Pour ce, je vous laisse. Allez, ciao, ciao. Souhaitez-moi bon courage, je ne vais pas dormir. J'ai les bouffons d'oreilles, mais j'entends quand même. Voilà. C'est super. Putain, je vais le tuer. Alors voilà, je vais pour aller faire un petit pipi. Voilà, pause. Sur quoi je tombe en pleine nature, en pleine pampa, des feuilles en vert. Voilà. Il fait sec comme pas 4. Ah, je suis dans les roues, pas loin de Juvignac, enfin bon bref, dans l'ouest de Montpellier. Et je tombe là-dessus. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu le feu. Mais à savoir que si je dis pas de bêtises, le reflet du soleil sur du verre, normalement, ça crée de la chaleur, on est d'accord. Bon, voilà ce que je trouve en pleine nature. Après, ça se dit écolo, l'héros, etc. De toute façon, c'est comme dans le sud, en général, je tombe sur plein de merde. Voilà, hein, voilà, ça, hein. En l'occurrence, on sait pas ce que ça fout là. Je suis pas dans une déchetterie, hein. Je suis normal, sur bord de route. Voilà. Et sur quoi je tombe ? Sur ça. Bon, bah, faut tout pour faire un monde, hein. C'est certain, mais c'est dommage, quoi. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. J'en chie. J'ai de la côte à n'en plus finir. Je suis bientôt arrivée, mais pas encore, avec un super vent de face. De toute façon, j'ai toujours le meilleur pour la fin. Et jamais le bon, c'est... Enfin, je veux dire... ouais, voilà. Bref. C'était un sous-entendu du contraire. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao, ciao.